Que le Seigneur vous bénisse. C'est encore le pasteur Arthur Moussaka pour la vidéo du jour. Je vais parler aujourd'hui d'un sujet très pratique que vous pourrez peut-être minimiser, mais qui va vous sauver la vie. Je vais parler sur la diététique. Juste la diététique. La diététique, c'est l'ensemble des règles à suivre pour une alimentation équilibrée. Donc, cela nous parle aussi de l'hygiène de vie. Et ça parle aussi de l'activité physique, ce qu'on appelle le sport. Je vais lire l'Écriture dans 2 Timothée 3, le verset 1er, dans la version amplifiée. La Bible dit, mais que le verset 3, 2 Timothée 3, verset 3. Mais comprenez ceci, que dans les derniers jours, des temps dangereux, de grands stress et de grands problèmes viendront, des jours difficiles qui seront, des jours qui seront difficiles à supporter. C'est ce que la Bible dit. Et Femme Adam dit dans Christ, est révélé dans sa propre parole, qu'il a prêché en 65, le paragraphe 21, il dit, la race humaine entière est pourrie. Mais alors, si l'être physique de notre corps se détériore à ce point, à force de manger des aliments hybrides, à force des tensions qui le fait pourrir, tout cela ne fait-il pas aussi pourrir les cellules du cerveau? Donc, à partir de cette écriture où on nous dit que dans les derniers jours, ce sera des temps de grandes tensions, et aussi cette citation de Frère Branham qui parle de la nourriture hybride et aussi des tensions, je vais là faire cette vidéo en très peu de mots, mais focaliser sur la nutrition. Et vous savez, je prenais mon petit déjeuner hier et sur ma boîte de chicorée, il était écrit « Bien manger, bien vivre ». Je me suis dit, ça c'est la vérité. Bien manger, bien vivre. Parce que nous devenons ce que nous mangeons. Vous voyez? Si nous mangeons hybride, nous devenons hybride. Voilà pourquoi nous sommes tous mélangés, voilà pourquoi nous sommes tous retournés, parce que nous ne mangeons pas correctement, parce que nous ne mangeons pas bio, parce que nous mangeons hybride. C'est pour cela que nous sommes hybrides. Vous voyez? Et l'être humain est devenu tout retourné à cause de la nourriture hybride que nous mangeons. Et même, on a beaucoup de carences dans notre corps. Et c'est ces carences-là qui nous créent des problèmes dans notre corps. Voilà pourquoi nous avons besoin de compléments alimentaires. Compléments alimentaires. Parce que dans notre corps, parce que dans notre nourriture, il nous manque beaucoup de vitamines. Voyez? Et c'est pour cette raison que ici en Europe, ou en Occident, ou là où il y a les quatre saisons, en hiver, on nous conseille de prendre de la vitamine D, parce qu'il y a manque de soleil. La vitamine D, ça vient par le soleil. Et on nous conseille aussi de prendre de la vitamine C pour combattre la grippe et combattre le corona. En fait, quand vous prenez de la vitamine C, vous faites une cure de vitamine C, vous allez blinder votre système immunitaire. Et c'est ce système immunitaire qui combat la grippe. Parce que le corona, c'est aussi une forme de grippe. Voilà. Donc, maintenant, je sais que dans des pays chauds, comme en Afrique ou comme aux Antilles, des endroits chauds,
vous n'avez pas de problème de vitamine D parce que vous avez le soleil directement. Par contre, il faut, si vous n'avez pas d'argent pour acheter, par exemple, des compléments alimentaires et à la pharmacie, par exemple, acheter des compléments alimentaires, vous pouvez trouver, par exemple, de vitamine C dans les oranges, dans les goyaves ou goyaves, et dans le kiwi, le papaye, le citron, la mandarine, etc., etc. Et ça, il faut prendre ça tous les jours. Je répète, tous les jours. C'est important parce que quand ce démon attaque, il vous attaque. Mais si vous avez de l'immunité, si vous avez de la force, vous allez combattre cela. C'est la raison pour laquelle vous voyez que beaucoup des jeunes gens tombent rarement malades de ce corona. C'est à cause simplement de l'immunité. Et les gens qui sont âgés, parce qu'ils ont de la carence, parce que le corps a déjà de la faiblesse, c'est pour cela qu'ils meurent, vous voyez. Donc, cela est très, très important. Donc, tous les jours, fruits et légumes, c'est très, très important. Et surtout, manger de la peau du fruit. Faites, par exemple, du smoothie, manger de la peau. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Moi, j'étais avec mon ami, le pasteur George Ferguson. Une fois, il était venu ici à Paris et je l'ai vu avec des compléments alimentaires. Comme ça, il était en train de prendre et il m'a tendu un. Et c'était même à cette époque-là que j'ai découvert tout ça. Il m'a tendu un en me disant, ça là, c'est ce que Frère Branham prenait. Et bon, bien entendu, j'en ai pris assez rapidement, puisque c'était Frère Branham aussi. Mais depuis là, j'ai pris l'habitude de prendre ça. C'est pour ça que les gens disent, mais le pasteur Arthur, mais tu ne te fatigues pas. Tu es à Martinique, tu es à Lyon, tu es à Orléans, tu es à gauche et à droite, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est parce que j'ai développé des choses en moi. J'ai renforcé mon immunité. Que le Seigneur vous bénisse. À bon entendeur. Salut. Thank you.